Bonsoir à tous, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 13 septembre, bien entendu. Ça fait 4 jours que Macron s'est fait siffler au Stade de France. Voilà, et il n'arrive toujours pas à accepter l'humiliation. Mais bon, peu importe. Nous, ce soir, on va parler de l'hyperclasse, on va parler de la spoliation. On va parler aussi d'ingénierie sociale. J'en ai très peu parlé sur Pouch Live. Et je trouvais intéressant. Et j'ai trouvé l'auteur qui allait bien. Et je reçois ce soir, bien entendu, François Dubois. Bonsoir, François. Comment allez-vous ? Bonsoir Nicolas, ça va ? Merci beaucoup de m'inviter dans votre émission. C'est normal, c'est un véritable plaisir que de vous avoir parce qu'on va parler de plein de choses. Et puis surtout, vous avez écrit un bouquin assez dense, très imagé d'ailleurs, hein, les symboles d'Alice au Pays des Merveilles, Lucifer, le miroir, la société du spectacle, Guy Debord. On va parler de tout ça, on va parler d'ingénierie sociale. Et comme l'émission le dit, c'est ingénierie sociale et spoliation, du peuple par les élites. Et alors vous, vous avez un CV long comme le bras, mais une spécialisation quand même qui est assez propre. Vous êtes d'abord essayiste, vous êtes auteur d'Alice au pays de Lucifer, c'est publié aux éditions K-Édition. Voilà, vous pouvez vous le procurer, chers amis, vous allez voir, c'est passionnant. Et vous êtes surtout ancien gradé de gendarmerie nationale et instructeur en gendarmerie. Et vous avez été aussi au PJ, enquêteur, on va dire, pour faire vite. Et moi, ce que j'aime bien, c'est comme tous mes invités, c'est les francs-tireurs, c'est les gens qui ont des choses à dire, qui intellectuellement sont structurés, qui ont des convictions, qui les expliquent, qui les exposent. Et après, bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec mes invités, mais je trouve intéressant de vous recevoir. Une première question basique, allez, on va se la faire au service public. Pourquoi avoir écrit ce livre concrètement, François Dubois ? Ce livre-là, d'où il vient ? Pourquoi, à un moment donné, ce changement et de passer de grader la gendarmerie sur ce livre-là qui, finalement, retranscrit bien, François, vos convictions et votre façon de décrypter le monde et de votre grille de lecture, hein ? Ce livre, en quelque sorte, c'est l'aboutissement d'un parcours de vie. Alors l'aboutissement, peut-être que le mot peut paraître un peu galvaudé, puisque la vie continue et les évolutions continuent avec. Mais je l'ai écrit à un moment où je pense que j'avais suffisamment cumulé d'expériences, de visions, pour pouvoir m'exprimer. C'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ouais. Je l'ai écrit, il faut savoir, pendant le confinement. Ouais. Donc, on était déjà dans une période assez atypique. J'ai pas participé au travail de la gendarmerie à cette époque-là, puisque j'étais instructeur en école. D'accord. Ce qui m'a valu quelques désaccords avec d'anciens camarades quant aux missions qu'avaient les gendarmes, notamment en ce qui concernait le contrôle des passes vaccinaux, etc., etc. Et quand j'ai écrit ce livre, j'étais vraiment très perturbé par. Pardon, excusez-moi, j'ai une fenêtre qui s'affiche. Non, j'étais très perturbé par la pression qu'on nous mettait, notamment avec la politique vaccinale, puisque il faut savoir que les gendarmes, pour ceux qui l'ignorent encore, étaient soumis à l'obligation vaccinale. Alors moi, j'ai eu des concours de circonstances qui m'ont aidé. J'ai attrapé le Covid, donc j'ai eu un régime dérogatoire. Ouais. Mais le cumul de la pression, plus un éveil qui résulte de plusieurs années de carrière. Ouais. Alors notamment... L'élément qui a créé une bascule, c'est quand j'ai changé d'univers et que je suis passé d'un métier à la garde républicaine où je faisais de la protection rapprochée auprès du Premier ministre. J'ai basculé à ma demande, en faisant une demande de changement de subdivision d'armes, en milieu rural. Ah oui. Et très 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 précaire, un milieu très précaire. Extrêmement précaire. Et là, je me suis confronté au choc du réel. C'est deux univers, hein, François. Là, vous changez d'univers, de galaxie, entre le service de réponse. On change de galaxie. Ah oui, changez de galaxie, là. C'est plus le même monde, hein, après. C'est une autre dimension. Ouais. Et à l'époque, j'avais une vision qui était formatée, qui était assez conforme à celle qu'on aurait quand on a une vie, on va dire... bourgeoise entre guillemets, parce que on peut pas dire qu'on est bourgeois quand on est sous-officier de gendarmerie, mais en tout cas j'avais une vision qui était déformée par un certain prisme, et je me suis pris un choc, et plutôt que de regarder le monde à travers ces problèmes,
Ouais. J'ai cherché à aller plus loin et à en découvrir quelles en étaient les conséquences, enfin, quelles en étaient les origines. Donc, plutôt que de vouloir dresser un triste état des lieux et puis polémiquer autour de ça, je me suis dit, il faut comprendre ce qui se passe. Et je suis sûr qu'il existe des solutions et que ce qui se passe, ça contribue à pérenniser, on va dire, la gouvernance en place. Et je voudrais expliquer ça, en fait. Je voudrais expliquer les processus par lesquels on entretient les gens dans une certaine situation et ce, au bénéfice d'autres personnes. Alors c'est très intéressant et merci d'être là, François Dubois, d'être là à mon micro. Une émission passionnante. Alors je vous aime, vous êtes déjà très nombreux. Alors vous êtes déjà de Nîmes, du Québec, d'un peu partout. N'hésitez pas, du Cherbourg aussi, Marie-Madeleine, Valérie, Marie, bien entendu. Merci à tous d'être là. N'hésitez pas à me dire d'où vous nous regardez, bien entendu. Et partagez massivement ce live parce que les algorithmes, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, nous font des misères. Et il n'y a que vous qui pouvez partager, liker la vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube ou sur Facebook ou sur les réseaux, sur Twitter pour poster massivement cette émission avec François Dubois. Allez, on continuera dans le vif du sujet. Intéressant, vous vouliez expliquer, vous avez écrit, mais tout de même, François, il faut sacrément avoir une ouverture d'esprit dans les corps dans lesquels vous étiez pour pouvoir, même en changeant de galaxie, puisque vous êtes passé du service de protection rapprochée du Premier ministre à finalement le territoire très rural dans la gendarmerie, il faut quand même avoir vraiment une ouverture d'esprit pour pouvoir se poser les bonnes questions et vouloir surtout comprendre et encore plus vouloir expliquer. Vous étiez quand même bâti pas comme tout le monde, tout de même, à votre honneur d'ailleurs, hein. Alors c'est vrai, et je pars pas forcément avec des avantages puisque je suis moi-même fils de militaire. Donc on va dire constamment j'ai constamment été élevé dans un certain conformisme. Bon après j'ai une mère qui avait quand même une vision un peu différente, qui a fait des études aussi, qui m'a ouvert aussi à certaines choses de ce côté-là. Après, je ne sais pas si c'est une question de lucidité ou de courage, parce que nous sommes nombreux à déceler les dissonances. Alors, quand bien même on creuse pas, on est nombreux à voir qu'il y a des choses qui dysfonctionnent ou qui sont incohérentes et qui partent dans tous les sens et souvent des sens contradictoires. On est nombreux à voir qu'il y a des choses qui n'évoluent pas en notre faveur. Mais on est aussi nombreux à voir que ben, il y a certaines catégories sociales qui vivent toujours mieux et toujours plus dans la luxure, si je puis dire. Et donc ça, on le voit. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une question de courage derrière tout ça? Je pense Probablement. que à un moment donné, quand on commence à en parler dans le milieu militaire et qu'on dit voilà, ça dysfonctionne, ça c'est pas normal. Là, il y a des incohérences. Alors forcément, c'est pas bon, parce que le milieu militaire, normalement, et à juste titre quelque part, il doit quand même conserver une neutralité. Sinon, il y aurait un putsch tous les 15 jours. Oui, effectivement, vous avez raison. Mais dans le même temps, on peut être militaire et réfléchir aussi. Et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle d'ailleurs la théorie des baïonnettes intelligentes. Quand les ordres deviennent trop incohérents, voire parfois illégaux, le militaire doit avoir le droit de dire là, ça va pas. Et vous savez, alors on en a parlé hors antenne, enfin on a évoqué la question hors antenne rapidement parce que c'est un sujet que je voulais aborder, on va parler bien sûr de votre livre, mais vous savez, quand j'ai fait les manifs Gilets jaunes en tant que journaliste indépendant, nombreux manifestants, soit pour la réforme des retraites ou pour les Gilets jaunes, haranguer les gendarmes mobiles ou les CRS en leur disant ces ordres sont manifestement illégaux, il ne tient qu'à vous de ne pas les respecter. Donc il y a cette notion aussi, je voulais en parler plus tard, mais rapidement là-dessus, il y a eu cette fracture aussi finalement entre les forces de l'ordre et une partie de la population. Malheureusement, hein, malheureusement. Tout à fait, et c'est ce que je démontre dans certains de mes articles. D'ailleurs, dans le dernier qui est paru aujourd'hui sur Strategica, on entretient volontairement une dynamique de groupe au sein justement de catégories qui sont parfaitement ciblées, qu'on communautarise et qui s'identifient entre elles. Alors, la police et la gendarmerie ne dérogent pas à cette règle. Alors, ce que j'appelle la dynamique de groupe, c'est ce qu'on peut traduire aussi comme une non-pensée de groupe. À partir du moment où c'est le groupe qui évolue en toute solidarité,
Il y a plus de processus de réflexion qui peut s'enclencher, c'est compliqué. Et ce que j'expliquais dans mes articles, il y a une politique réelle de fragmentation qui vise, je pense, à faire en sorte que police et peuple ne convergent pas main dans la main. C'est justement ce qu'on cherche à éviter, parce que le fait est qu'on maltraite le peuple, notamment, j'ai envie de dire, plus encore la classe moyenne, et que on a très peur qu'une frange de cette classe moyenne vienne rejoindre, vienne s'agglomérer à la sociologie de départ des Gilets jaunes. Quand je Ce qui pense est aux en train classes d'arriver moyennes, là, hein. Ce qui est en train d'arriver là. ce qui est en train d'arriver. Ah oui. Et l'ultime recours contre ça, c'est de diviser les gens et de les catégoriser, de les communautariser et de créer des bulles qui évoluent entre elles et qui évoluent aussi dans le rejet de la contradiction entre elles. Donc elles s'opposent. Et comme ça, on peut garder les gens dans des niches et on peut fonctionner. Donc c'est diviser pour mieux régner. Et je pense que y a une politique qui abonde dans ce sens entre le peuple et la police et la gendarmerie, bien évidemment. François, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, et après on va rentrer vraiment dans le détail du livre, mais c'est passionnant parce qu'on a quand même votre avis là-dessus, très pertinent. Est-ce que vous pensez qu'ils ont eu peur, quand je dis ils, vous imaginez bien qu'il y a le gouvernement Emmanuel Macron, et est-ce qu'ils pourraient avoir peur qu'à un moment donné, comme les gendarmes mobiles, ou peut-être les CRS d'ailleurs, puissent faire jonction avec la population qui a manifesté en 2018, 2019, 2018, 2019 pour le plus fort de la crise, est-ce qu'ils pourraient à un moment donné poser des casques et des boucliers? Est-ce qu'ils pourraient poser des casques et des boucliers à un moment donné? Alors, ce serait une crainte. Évidemment, évidemment, c'est une crainte majeure pour le gouvernement. Pour que ça arrive, il faudrait l'émergence d'un mouvement spontané, type Gilet jaune, mais cette fois-ci avec les petites moyennes entreprises, les patrons qui viennent s'agglomérer, c'est-à-dire une strate supérieure encore. Ce qui pourrait, à terme, peut-être émettre une forme d'influence, une influence qui et là on rentre vraiment dans une logique de contagion de groupe, et ça pourrait changer. Ce qui est compliqué, c'est que le milieu militaire est extrêmement hiérarchisé, extrêmement structuré, et il est très bien tenu par cette pyramide, avec puisque l'univers militaire, sans être péjoratif, c'est un univers totalitaire. L'armée, c'est une société dans la société, et c'est un exemple de société qui fonctionne de façon totalitaire. On n'a pas le droit de s'exprimer, on a toujours un chef au-dessus de soi, pardon, et on doit exécuter. Et on est tenu notamment par des promesses de carrière, par des promesses diverses et variées, mais on est aussi tenu par la peur de la sanction. Donc c'est très C'est compliqué. intéressant ce que vous dites parce que moi je suis assez troublé quand je vous entends et vous n'êtes pas le seul. J'ai reçu le capitaine Hervé Moreau, Hervé Moreau que je salue, qui est venu dans cette émission. Et il dit pareil, Hervé. Hervé Moreau dit pareil. Il met en cause la hiérarchie avec une façon totalitaire ou du moins autoritaire ou du moins verticale et surtout la volonté de faire carrière, donc de ne pas faire de vagues pour continuer à faire carrière. Pourtant, un Moreau est un Saint-Cyrien. Et je suis assez toujours effaré d'entendre les mêmes avis parce que c'est quelque chose qui revient de plus en plus, François. C'est Oui, effrayant mais quand même. c'est parce que structurellement, l'armée et donc les acteurs de l'armée s'inscrivent dans une logique de soumission, de soumission à l'autorité et de conformisme. Quelque part, on peut associer ça à l'expérience de Milgram, c'est-à-dire qu'à un moment donné, certains vont préférer, même une majorité, vont préférer rentrer dans le déni, en sachant que ce qu'ils font, à un moment donné, on n'est plus du bon côté de la morale. Mais comme on est déjà lancé dedans, et que aussi on a sa vie qui en dépend. Je veux dire, un gendarme, et ça c'est le cas pour tout le monde, dans n'importe quelle institution, parce qu'il n'y a pas que la police et la gendarmerie qui périclitent. Mais quitter une institution, quand ça va pas, c'est compliqué. Même je vois le personnel hospitalier ou autre, hein, parce que on a des spécialités
On évolue dans un milieu très technique et on a peur de se retrouver après sur le marché du travail. On sait plus, on sait pas ce qu'on va faire. Un gendarme, il a un logement de fonction, il a une famille et des fois c'est compliqué. Alors ce que j'explique, c'est qu'à un moment donné, le poids que va engendrer la perte du libre arbitre des individus risque d'être plus fort que les intérêts matériels qui les tiennent. Mais pour qu'on en arrive là, et ça c'est triste à dire, mais c'est comme ça, il va falloir du temps parce que c'est dans la nature humaine de réagir par rapport à l'expérience, en se conformant de façon empirique aux choses. L'humain a besoin c'est bête, hein, c'est le choc du réel, c'est-à-dire de se prendre un mur pour réagir. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de conceptualiser ça et de faire passer le message pour essayer d'éveiller les consciences, pour que ça accélère le processus. Mais à un moment donné, ce sont les gens eux-mêmes qui, face à la perte de leur libre arbitre, se rendront compte qu'ils ont trop perdu. Et se diront, est-ce qu'il est trop tard? Alors qu'en fait, il n'est jamais trop tard, parce que c'est ce que je décris d'ailleurs dans le livre. On vit dans un monde qui est construit de façon illusoire autour de nous. En fait, on est maintenu dans une prison illusoire. Et cette prison-là, le jour où on a conscience qu'on est pris dedans, on s'en libère. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je vais vous relancer là-dessus parce que vous dites carrément que le Covid a été un processus d'ingénierie sociale sans précédent. Qu'entendez-vous par là, François? Ingénierie sociale sans précédent pour le Covid. C'est-à-dire qu'on a fait peur aux masses, aux populations, on a voulu les dompter, les domestiquer finalement, et le Covid, selon vous? Bien évidemment, et ça saute aux yeux de toute façon. Ça saute aux yeux. On y voit plusieurs. On y voit en fait la manifestation de plusieurs expériences d'ingénierie sociale. Alors tout à l'heure, j'ai cité l'expérience de Milgram qui parle de la soumission à l'autorité. Et là, on était exactement là-dedans, puisqu'on s'est retrouvé. Donc là, je prends l'exemple de personnes lambda, des citoyens lambda qui se sont retrouvés à exercer des fonctions régaliennes, des fonctions de contrôle, contrôle de passe. Ça pouvait être un commerçant, un restaurateur. Donc on avait finalement des gens qui étaient compris dans les personnes oppressées, qui sont devenues elles-mêmes capots, quelque part, et qui se sont transformées. Ça, c'est un processus d'ingénierie sociale, en fait. C'est le triangle de Cartman. Elles se sont déplacées dans le triangle de Cartman. Ouais, Donc, parce que elles sont vous parlez passées. de capot, vous parlez de capot, hein, vraiment, c'est assez fort comme mot, capot, parce que c'est vrai que Oui, comme c'est fort parce que je vous c'est suis, hein, une. François. Je vous suis, hein, Oui, là-dessus, hein, pour le coup. c'est une logique de conformisme. Ça rejoint aussi l'expérience de H. L'expérience de H, quand on a quelqu'un qui pense différemment et qui va se conformer au groupe parce que le groupe répond autre chose. L'expérience de H, elle consiste à montrer un dessin avec plusieurs bâtons et de demander quel est le plus petit. Et il y a tous les complices qui vont désigner un bâton qui est relativement grand. Et la personne qui est confrontée à l'évidence, elle va dire, bah, c'est peut-être moi qui ai un problème de vision ou quoi. Donc je vais répondre comme les autres. Et là, on s'est retrouvé avec ce type de cas de figure. Et ce qui est important de noter, c'est que comme dans toutes les grandes entreprises d'ingénierie sociale et de pilotage des masses, on a l'hétéronomie qui devient supérieure à l'autonomie. Donc l'hétéronomie de la volonté, c'est un état de la volonté qui dépend des influences externes. Et là, D'ailleurs, c'est l'article, la c'est part de l'hétéronomie, elle devient Me plus paraît, grande. François, c'est votre article qui est paru aujourd'hui sur Strategica. Vous avez à l'écran strategica.fr. Allez voir, je pense que c'est un peu le sujet de cet article-là que vous avez publié aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller le voir après l'émission, bien entendu, lire ce que dit François Dubois là-dessus. Mais continuez, François, c'était pour Oui. enrichir. Voilà. Et j'explique justement dans cet article que alors il y a l'hétéronomie d'un côté, l'hétéronomie de la volonté, elle est tributaire de facteurs externes. Donc plus un individu est hétéronome, moins sa volonté est guidée par des raisons personnelles. Donc c'est le contraire de l'autonomie quelque part. Et c'était et mais les choses sont pas aussi simples, elles sont pas binaires.
Et c'est ce que j'explique dans l'article, et c'est ce que disait le philosophe Maurice Blondel. Dans ce qu'on définit comme liberté, il y a une part d'autonomie de la volonté dans la liberté, mais il y a aussi une hétéronomie morale. C'est-à-dire que je suis libre, j'ai l'autonomie de ma volonté, mais derrière, je suis guidé par l'hétéronomie de la morale, donc du bien et du mal. Et petit à petit, on est dans un système qui vise à modifier la nature même de cette hétéronomie en remplaçant l'hétéronomie morale par une hétéronomie idéologique. Et là, c'est tout le poids de l'idéologie. Et c'est ce que j'explique dans mes articles, c'est vraiment la prégnance de l'idéologie dans le système actuel. Et en quoi elle formate les gens, en quoi elle les positionne dans un monde qui est complètement subjectif et illusoire, en quoi elle contribue d'ailleurs à détruire nos acquis qu'on a pu obtenir grâce au droit naturel pour remplacer ça par du droit positif, c'est-à-dire du droit qu'on adapte à la société et qui n'est pas immanent ou transcendant. Donc pas de droit d'origine supérieure, mais un droit conforme à ce qu'on veut en faire. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est une dérive très dangereuse, puisqu'on est en train de modeler les individus comme on veut les modeler. Alors, Anne nous dit dans le live, et pas que Anne, parce que vous êtes très nombreux ce soir, encore merci d'être si nombreux, n'hésitez pas à partager massivement, notamment sur YouTube, Twitter, Twitch, partagez, 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 mettez des pouces, parce que c'est comme ça que la vidéo monte, bien entendu, dans les algorithmes, et que plus de gens peuvent la voir. Anne nous dit, la grenouille est dans la casserole. Et merci Anne pour ce commentaire. N'hésitez pas à nous poser vos questions, je laisserai les poser à François Dubois, et dites-moi aussi d'où vous nous regardez, comme tous les soirs, vous le savez, j'aime bien savoir d'où vous nous regardez. François, c'est intéressant ce que vous dites, et je voudrais aller plus loin sur cette histoire de capot et de passe, parce que ça touche précisément votre livre. En plus d'avoir finalement agi, fait pression avec la peur sur des gens qui se sont instigés avec l'aval du gouvernement, comme presque membres des OPJ, parce que certains ont fait la carte d'identité, on leur demandait la carte d'identité, c'était quand même assez fort. Non, mais en termes d'état de droit, on a quand même passé un stade là. Et on s'est rendu compte aussi que le gouvernement, par là même, c'est mon analyse, elle n'engage que moi, mais vous me direz, vous la partagez, le gouvernement s'est servi aussi d'une partie de la population pour en soumettre une autre. Et il me semble que c'est quand même les fondements du totalitarisme. Quand vous vous appuyez sur une partie de la population pour, à un moment donné, demander des cartes d'identité, vérifier des passes vaccinaux totalement illégaux et finalement devenir des vrais capots, donc là, le mot capot a tout son sens, ça veut dire que le gouvernement, délègue une façon d'autoritarisme, de totalitarisme, et c'est la porte ouverte absolument n'importe quoi. Et on aurait pu ne jamais en sortir cette histoire finalement. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé du triangle de Cartman, qui est un triangle dans lequel on peut se déplacer, on peut passer, donc il y a trois sommets, hein, victime, oppresseur, et donc on peut se déplacer de l'un à l'autre, et là, les victimes se sont déplacées vers le rôle d'oppresseur. L'oppresseur, lui, se déplace, du rôle d'oppresseur vers le troisième sommet du triangle, qui est le rôle du sauveur. Et on s'articule dans cette mécanique. Alors, ce qui est intéressant, et c'est le problème que vous soulevez, et finalement, c'est quelque part le stade final de la manipulation, c'est qu'on se retrouve avec une horizontalisation des conflits et quelque part une gouvernance qui s'en lave les mains et qui peut dire de toute façon, ce n'est pas moi, ce sont les gens qui y adhèrent. Et donc, ça fonctionne comme ça, évidemment. Et cette horizontalisation du conflit, elle ne fonctionne que parce que derrière, il y a une politique de fragmentation. Cette politique de fragmentation, elle a besoin pour ça de gens chez qui on cultive les individualismes. Et c'est tout le paradoxe de ce que je qualifie de néocollectivisme à l'heure actuelle, c'est-à-dire que on a besoin de fragmenter et d'exacerber les individualismes pour aboutir à des grandes actions collectives. C'est tout le paradoxe. Et c'est le principe paradoxal de l'ordo à chaos, par exemple. On est vraiment là-dedans. Alors, on va continuer. Merci d'être très nombreux. Merci de vos commentaires. Merci de vos questions. Effectivement, oui, on me dit inviter Ariane Biran. Alors, les amis, c'est fait, Ariane Biran. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. J'ai déjà reçu Ariane Biran sur Pouch Live, mais ce soir, c'est François Dubois. Et c'est tout aussi passionnant. Et j'espère que vous aurez la parole dans bien plus d'émissions que ça, cher François, parce que cette question est vraiment fondamentale, surtout de votre point de vue à vous. C'est ce qui fait aussi la richesse de ce point de vue, la pertinence. Je voudrais qu'on parle rapidement, Alice, pourquoi, alors, pour nos téléspectateurs,
Pourquoi le choix d'Alice? Pourquoi le choix du miroir? Pourquoi Walt Disney? Pourquoi la société du spectacle? Finalement, tout ça est tout à fait homogène. On est d'accord, François? Oui, tout simplement parce que Alice et Disney, c'est ce qu'il y a a priori, je dis bien a priori, de plus innocent. Donc, ouais. C'est ce qui est le plus symptomatique de la société ouais. du spectacle. Oui, ouais. Oui, donc, parce qu'à un moment donné, vous dites dans une interview, vous dites, si vous croyez que vous avez vu un dessin animé avec Alice au Pays des Merveilles, c'est que vous êtes déjà intoxiqué. Alors, intoxiqué, n'est peut-être pas le terme que vous avez utilisé, mais c'est du moins ce que j'en ai retenu. Tout le piège du spectacle est de créer un univers psychotique, c'est-à-dire au sens psychologique du terme, un univers en déconnexion avec le réel. L'idée, c'est de faire en sorte de créer un monde dans lequel les gens sont parfaitement déconnectés du réel, au point de ne carrément plus l'envisager. Ouais. Et là, la partie est gagnée. Alors, c'est luciférien, quelque part, mais c'est une réalité. Mmh. Et là, avec l'histoire d'Alice, on touche vraiment, vraiment à ça, parce que derrière l'histoire complètement enfantine et a priori innocente d'Alice au Pays des Merveilles, qui plus est, j'utilise volontairement l'interprétation qui en a été faite par Disney, parce qu'elle est très intéressante à bien des égards. À travers cette histoire, on peut faire la démonstration justement que ce qui paraît être le plus puéril et le plus enfantin est en réalité ce qu'il y a de plus grave et ce qu'il y a de plus dangereux. Parce que quand on voit la profondeur des messages et les interprétations que je peux livrer de l'histoire, qui à mon sens me semble correctement démontrée, ça permet au lecteur de comprendre la matrice. Et en même temps, j'en profite parce que c'est un essai déguisé quelque part. Oui. L'idée, c'était de faire en sorte de pouvoir expliquer aux gens des notions somme toute assez complexes, mais sans les dégoûter de la lecture. Oui. C'est pas toujours simple quand on n'a pas affaire forcément à un public qui lit que des essais. Les gens aussi aiment lire des histoires. Et là, on mélange à la fois l'histoire, en reprenant ce qu'elle raconte et en reprenant ses images, tout en les analysant comme un essai et en faisant le lien justement avec la société. Et c'est tout l'intérêt du livre. Et en plus de ça, le livre ne se contente pas de faire un simple état des lieux de la situation, parce que ça, en fait, ce serait mettre un pansement. Il se contente, et au contraire, il va aller au fond des choses pour en analyser les fondements. Et donc, il a une portée qui est tout autre. Il prend une dimension supérieure. C'est-à-dire qu'il y a de la philosophie situationniste, puisque vous avez parlé du spectacle de Debord. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un apport théologique, il y a un apport sociologique. Et je pense que de toute façon, quand on veut raisonner de façon intellectuelle sérieuse, à un moment donné, on doit faire interagir toutes les disciplines et toutes les sciences humaines. Il n'y a pas une explication qui tienne par un seul et unique prisme. Oui. À un moment donné, c'est la convergence et l'interaction, la synergie de tous ces, de toutes nos sciences humaines qui expliquent. Alors, c'est pas évident, ça peut rendre les explications plus complexes, mais quand on arrive à réassembler le puzzle, ça devient très intéressant. En gros, l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, si je prends l'exemple du puzzle, justement, c'est comme si vous aviez un puzzle, vous connaissez l'image du puzzle, mais là, vous avez déballé toutes les pièces et vous le voyez en vrac. Ben, le livre, il va vous le faire. Le livre, il va vous refaire le puzzle. Ouais. Et par contre, vous avez un sacré adversaire face à vous. Un sacré adversaire, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui est dans un salon et qui émet des ondes bleues en permanence, c'est la télévision, c'est le miroir. Et Pierre Jour, d'ailleurs, que je salue, disait que c'était une arme de destruction massive. Et la télévision, me semble-t-il, est là pour faire du narratif, pour prendre les gens pour des imbéciles et pour des jambons. Je regardais encore un JT sur une grande chaîne à midi, je fais un bond absolument dingue sur ma chaise, parce que le journal que nous avons, le feuilleton magazine que nous avons, ne correspond pas du tout à la réalité qui se passe aujourd'hui. On était sur un reportage sur un petit village typique. Enfin, la télévision fait beaucoup de mal aussi encore à beaucoup de gens, j'ai l'impression. J'aimerais ne pas le croire, mais j'ai quand même l'impression. C'est quoi votre avis? Parce que la télévision, pour vous, c'est le miroir aussi. Hein. C'est un instrument sociologique. C'est un instrument sociologique majeur. C'était la mère nourricière au sens de Bourdieu. Ça va au-delà de ça. Ouais. On a là un instrument qui a bouleversé l'histoire de l'homme d'un point de vue anthropologique. Le problème, c'est que la télévision est dans la plupart des foyers.
Et rien que cette omniprésence la rend quelque part légitime Oui. et permet à notre gouvernance, dans, puisqu'on parlait, Cartman étant expliqué, notre gouvernance se faisant passer pour le sauveur, de dire, c'est un outil qui est chez tout le monde, donc on va l'encadrer. C'est ça, Oui. compagnie et tout ça. Or, c'est absolument faux. On a employé le terme de miroir. La télé Oui. est un miroir, elle est un miroir aux alouettes. Un miroir aux alouettes, le miroir aux alouettes, c'était un piège qui était dressé par des chasseurs pour capturer les alouettes avec des petits morceaux de miroir. Et pourquoi elle est un miroir? Parce qu'elle est le reflet quelque part de la réalité. Elle n'est pas la réalité. Et un reflet de la réalité, souvent, c'est le reflet inversé, hein. Ça, c'est Oui. mathématique. Et là, on est un peu dans un domaine philosophique. Mais la télévision fait la part belle au subjectivisme. Oui. On parle de miroir, c'est l'allégorie du miroir dans Blanche-Neige. La question est complètement subjective. Qui est la plus belle? Et on attend une Oui. réponse qui est attendue comme objective. La Oui. télé nous donne cette réponse attendue comme objective. Or, elle ne l'est pas, puisqu'il donne une réponse et on ne peut pas dire que quelqu'un est plus beau qu'un autre. Ce sont des critères complètement subjectifs. On est exactement dans ce piège-là avec la télé. On est dans l'illusion de vérité. Donc la télé, en ce sens, est un instrument redoutable. Et c'est pour ça que j'invite tous les gens à l'éteindre, ce que j'ai fait moi déjà depuis quelques années, et on se sent revivre. On se sent Oui, parce que... revivre parce que on se sent reconnecté avec le réel. On n'est plus. Ouais. Et qui plus est, j'irai au-delà. La Oui. télé, c'est aussi une source d'angoisse. C'est une source d'angoisse qui invite les gens à consoler leur angoisse en la regardant. C'est un cercle vicieux. On crée de l'anxiété et les gens pensent solutionner cette anxiété en regardant la télé. Et ils rentrent dans une spirale infernale. Et on voit Oui. d'ailleurs, la plupart des programmes sont toujours tournés quand même vers la peur, vers le sensationnel, vers toutes ces choses-là. Et c'est pas pour rien. En plus d'être un outil de divertissement, donc divertir, si on reprend l'origine du mot, c'est regarder ailleurs. Et c'est vrai que ça, on est un peu dans le pain et les jeux du peuple. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, quand on a vu Jérôme Salomon égrener dès mars 2020 le nombre de morts tous les soirs, on a bien vu qu'à un moment donné, il y avait quelque chose. Mais on est aussi au niveau de la propagande. Il y a une véritable propagande parce qu'il y a le miroir, vous avez raison, mais la propagande, enfin, moi qui suis journaliste indépendant depuis 17 ans, je crois que ça a commencé avec les Gilets jaunes et là, avec le Covid et maintenant, notamment sur la crise économique et sur la guerre en Ukraine aussi, on peut en parler. C'est une véritable entreprise de propagande qui est mise en place, soit de détournement, soit de propagande. Tout à fait. On a là l'outil idéal puisqu'il est au cœur du foyer. C'est une composante à part entière du foyer. Donc on peut passer un message en permanence et à force de matraquage, évidemment, les gens vont s'en persuader. Le pire de la télévision, c'est qu'elle crée, si on s'inscrit dans une logique situationniste au sens de Debord, elle va créer ce qu'on appelle le faux sans réplique. Elle va contribuer, en tout cas, cette télévision est un outil du spectacle qui va contribuer à la création du faux sans réplique. Donc à l'acceptation, c'est une fabrique du consentement. Voilà. Et Debord disait le spectacle institutionnalise le faux sans réplique et l'illusion qu'il entretient comme le choix déjà fait du consommateur et de sa consommation corrélaire. Donc ça veut dire que les choses sont établies par avance, en fait, par la télé. C'est ça le pire. C'est absolument effrayant. Alors, on va en parler. Merci beaucoup d'être là. On va passer à la deuxième partie de l'émission. On va parler de l'hyperclasse, comment à un moment donné, elle arrive à subtiliser ou à détourner l'argent, bien entendu, pour elle, comment elle se constitue, comment elle s'enrichit. Et d'ailleurs, sur le sondage que nous venons de lancer en ligne, en moins d'une minute, déjà près de 100 votes. Et avez-vous éteint, vous aussi, la télévision? Oui, à 90%, François Dubois, nos téléspectateurs, à 90% ont déjà, eux aussi, fait comme vous, éteint la télévision. Merci de voter. N'hésitez pas à continuer à voter. On vous fera de plus en plus de petits sondages comme ça. En tout cas, merci. On va parler
maintenant de cette deuxième grande partie, parce que c'est important, je vous ai reçu aussi pour ça, l'hyperclasse, l'oligarchie qui s'attribue la puissance et l'argent, la spoliation des peuples. Alors, de qui? Alors, et d'ailleurs, on parle de la déclaration de Jacques Attali, qui avait effectivement parlé des hypernomades, des super, je ne me rappelle plus, vous allez nous en parler parce que vous connaissez ça par cœur. Mais finalement, est-ce qu'on est passé aujourd'hui, François, d'une classe à la caste, à une véritable caste, oligarchie, une hyperclasse? Enfin, voilà, comment on définit ça? Comment le définissez-vous, ça, aujourd'hui? Oui, alors l'objectif, effectivement, et là c'est Attali qui en parle très bien, parce que des fois il parle très bien de certaines choses, Jacques Attali. Oui. C'est pourtant, ça, il n'est pas ça, considéré comme complotiste, François. Lui, quand il parle, c'est pas complotiste. Hein. Oui, tout ce qu'il dit, c'est pris comme une parole, parfois prophétique, mais c'est pris comme une parole bonne à entendre. Et ce qu'il dit, effectivement, c'est que la société va se réarticuler ou se réarticule. En trois différents types de classes. Alors lui, il appelle ça peut-être encore des classes. Moi, j'appelle ça des castes. Je pourrais expliquer pourquoi après. Mais effectivement, il décrit d'un côté les supranomades. Donc les supranomades sont ces gens qui sont finalement apatrides, qui disposent des moyens pour bouger au gré de leurs envies et qui font finalement rêver les gens. Ouais. Et ces gens-là ont tout pouvoir quelque part. Et puis, il parle aussi de la classe qui se situe au plus bas de l'échelle, qui qualifie d'infranomade. Donc, on voit qu'il est beaucoup d'ailleurs sur la notion de mobilité. Et on voit, oui, en ce sens d'ailleurs, qu'on est sur un profil de personne qui souhaite un mondialisme. Oui. Et donc là, il parle des infranomades. Et il parle donc de ces gens qui, eux, doivent bouger nécessairement pour des raisons économiques, des contraintes économiques ou parfois climatiques aussi, si on suit leur narratif. Oui. Et au milieu, la classe moyenne. La classe moyenne qui est prise, qui est partagée entre l'illusion de pouvoir rejoindre un jour celle des supranomades. Et ça, il le dit bien, il emploie le terme justement illusoire, hein, parce que il le dit, et c'est ça qui est effrayant dans son discours, c'est qu'il dit déjà que la classe moyenne ne pourra pas les rejoindre. Donc on voit qu'il y a une notion d'endogamie. On voit qu'il y a vraiment une notion d'endogamie. Et par contre, il met bien en opposition ce caractère illusoire avec la peur, et là il la qualifie de réelle, la peur réelle de rejoindre un jour les infranomades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit dans un monde finalement endogame, avec une classe moyenne qui sert à faire fonctionner la classe d'au-dessus, mais qui ne pourra pas la rejoindre et qui sera constamment maintenue dans la peur. Oui. Donc ça c'est très effrayant comme discours. Et ça m'étonne qu'on puisse le laisser parler comme ça sans lui apporter de contradiction. Pourquoi, d'ailleurs, il n'est jamais en débat avec quelqu'un sur ce type de propos? C'est dommage, ouais. Parce que là, il y aurait de quoi dire. Mmh. Et effectivement, alors peut-être le présente-t-il comme le scénario à éviter, mais c'est quand même bizarre, puisque en parallèle, il cautionne plein de choses qui abondent dans ce sens-là. Mmh. Donc, on peut, à un moment donné, c'est compliqué. Oui, donc, Moi, je parle justement de caste, parce que on a cette endogamie et cet entre-soi qui est cultivé. Et tout ça, ça nous mène, je pense, quand on regarde le projet, l'agenda 2030, les grandes idées soulevées par le WEF et le World Economic Forum et Davos, on se retrouve avec presque un projet de féodalité 2.0. On est sur un système où les castes sont là, à la différence, quand je dis féodalité, à la différence du Moyen-Âge, où on avait des catégories qui étaient des ordres, qui étaient complémentaires. Et là, on n'est pas dans une logique de complémentarité. On est dans une logique de force, en fait, de rapport de force lié à la possession matérielle. Donc, c'est différent. Quand il y avait les oratores, les bellatores et j'ai oublié l'autre, c'est pas grave, ça viendra. Ouais. Chaque classe avait besoin de l'autre pour fonctionner. Les seigneurs assuraient la protection aux paysans, les paysans apportaient la force de travail, etc. Aujourd'hui,
les supranomades ne nous apportent rien. Oui. Par contre, ils ont besoin de nous, donc on pourrait presque parler de parasitisme. Oui. Et en revanche, la classe inférieure, elle sert à nous maintenir dans la peur. Voilà, donc ça, c'est ce type de scénario qui se profile, parce que les faits Oui. tendent à nous le démontrer. Il n'y a qu'à observer l'explosion des grosses fortunes. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que ça corrobore avec les grandes périodes comme le Covid ou autres, où pas mal de catégories sociales ont été lésées. Et à l'inverse, les plus riches sont devenus très, très, très riches, encore plus riches, et vraiment de façon exponentielle. Et ce clivage qui se crée et qui est de plus en plus grand n'est pas le fruit d'une création de richesse, mais il est le fruit d'un transfert de richesse. C'est pas pareil. Oui, effectivement, la situation, ouais, la comparaison est de taille, hein. La différence est de taille, hein, entre la création et le transfert, c'est pas la même, ouais. Ouais. Il faut Parce qu'on parle savoir que toujours du même volume, hein. On parle toujours du même volume de c'est ce que production j'ai d'argent. toujours dit d'ailleurs, c'est ce qui me fait sourire dans le capitalisme, c'est que le capitalisme ne produit que très peu de capitalistes au sens propre du terme, c'est-à-dire de gens qui Ouais. sont capables d'amasser suffisamment de capitaux pour plus travailler. Quand on Ouais. regarde, les vrais capitalistes sont les maîtres de ce monde. Et Ouais. d'ailleurs, je pense que ils ont compris aussi que cette construction économique avait ses limites. Et c'est pour ça qu'on s'oriente à l'heure actuelle vers un nouveau paradigme économique qui est celui que je qualifie de néocollectiviste. Donc là, c'est encore différent puisqu'on a une porosité entre les États et les grandes entreprises et les grandes multinationales avec un État qui devient administration des choses. Donc dans ce sens, ça ressemble un peu au communisme et qui devient un outil du verrouillage numérique et du crédit social. En parallèle de ça, on se retrouve justement avec cette porosité avec les plus gros intérêts financiers et donc un nouveau mode de gouvernance. Contrairement d'ailleurs au communisme où le peuple faisait en sorte de travailler dans son intérêt, là on n'est pas du tout dans Ouais. cette logique. On n'est pas du tout dans cette Ouais. logique. Mais il y a une action collective, celle qu'on décrivait tout à l'heure d'ailleurs, celle des grands mouvements collectifs. Et qui naissent de cette société si, si particulière et qu'on critique tous, qui est celle de la fragmentation Ouais. et de la séparation des gens Un du monétarisme. fidèle abonné me demande des exemples, quelques exemples concrets de cette fragmentation. Alors Ouais. la fragmentation, c'est simple. On va créer des bulles idéologiques dans lesquelles les Oui. gens vont se retrouver. Alors c'est du communautarisme. Je pense par exemple à la bulle. Si on prend la comparaison entre la bulle LGBT Oui. et l'identification sociale des jeunes dans les cités, a priori on est sur deux choses complètement différentes. Oui. Or les deux sont complètement en lien avec l'accroissement de l'hétéronomie idéologique chez ces individus. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que la part des influences externes va faire en sorte de les communautariser. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir des influences externes de l'extérieur et ils vont vouloir adhérer à un modèle tout en développant un sentiment de toute-puissance qui est développé par le subjectivisme idéologique. Donc, qui dit toute-puissance dit je ne veux pas être contredit, donc je me regroupe entre personnes qui pensent la même chose que moi. Et ce qui est drôle, c'est que si on prend ces deux exemples, ça fonctionne sur la même façon. C'est de l'étiquetage social au sens de Becker en sociologie. C'est-à-dire que les individus, ils se regroupent par rapport à une étiquette sociale. Donc, on se retrouve avec deux univers différents qui finalement découlent des mêmes symptômes. Du symptôme de l'hétéronomie idéologique qui lui-même découle de l'idéologie woke, qui est en fait une branche de l'idéologie progressiste. Ah, mais ça, François, c'est finalement la destruction de la nation, du bien commun, de l'avenir Oui, tout à commun, de fait. l'avenir collectif, de tout. Mais C'est une véritable. On la fluidifie. vérité, c'est qu'on a des gens qui œuvrent à ça. Vraiment. Ah oui, ça, je. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Et finalement, c'est pourquoi. Alors, vous avez raison, fragmentation, je partage votre avis là-dessus. Je pense que c'est une destruction totale de la notion de citoyen, de cet avenir en commun, de ce bien collectif, de la transmission du passé,
de la préservation du patrimoine et de notre histoire et de notre futur, parce que nous sommes au moment donné peut-être pas comptables de notre passé, mais nous sommes aussi les détenteurs de notre futur, hein, c'est mon avis. Et finalement, on se rend compte que c'est une volonté, et est-ce que là aussi, il n'y a pas une volonté, c'est le thème que je voulais aborder avec vous, parce qu'on pose beaucoup de questions sur les réseaux, j'ai beaucoup, beaucoup de commentaires, est-ce que ça aussi, on n'est pas, c'est pas le prochain étage de la fusée, c'est pas le crédit social. Quand tous les gens seront bien dissociés, bien individualisés, on mettra une grosse couche dessus de crédit social. On l'a vu avec, cette histoire qui est en train de se mettre en place devant nos yeux, même si on nous a beaucoup traité de complotistes pour ça. Ben, on a un problème qui résulte de la numérisation de la société. Oui. Alors, le problème du progressisme, c'est que il met la technologie au service des puissants. Oui. Quand on regarde avec un peu de recul, c'est ce dont on s'aperçoit. Je ne suis pas anti-progrès, bien au contraire. Je suis pour, moi-même, je cultive la curiosité et l'envie de toujours d'en savoir plus. En ce sens, j'adhère parfaitement à la science et l'homme, pour s'élever, a besoin de ça. Mais ce qui manque là-dedans, c'est l'éthique et la morale. Il faut une éthique, il faut une morale pour pouvoir canaliser tout ça. C'est ce qui fait défaut à l'heure actuelle. Et là, comme on n'est plus dedans, on se retrouve avec des excès. Et effectivement, on a une utilisation du tout numérique qui devient dangereuse, réellement dangereuse, puisqu'elle veut réduire l'individu à l'état d'une information numérique. Ouais. Quand il n'y aura plus de levier complètement tangible dans le monde réel, et que tous les leviers existants pour agir, pour avoir une action, une volonté d'action, se feront par le biais du numérique, ça sera terminé. Mmh. Excepté si, comme je le dis, à un moment, il y a un éveil de la conscience totale et que on décide de lâcher ça. Mais pourquoi les gens lâchent pas tout ça? C'est parce que derrière, ils sont maintenus par le matériel. Ouais. Mmh. Et vous comme moi, c'est normal. Moi aussi, je suis pas matérialiste. Mais à un moment donné, on a peur de tout lâcher. Ouais. Mais peut-être qu'on arrivera dans un projet de société où l'oppression sera telle que finalement, lâcher le matériel, ce sera pas la pire des choses. Et peut-être que l'éveil collectif viendra de là. Mais le piège du tout numérique, effectivement, c'est de faire de nous des portefeuilles. Moi, je ne serais plus un individu, je serais un numéro qui se résume à ce que je possède sur mon compte, ni plus ni moins. On parle même plus de monnaie à ce niveau-là. On parle d'un numéro, tout simplement. Peu importe l'étiquette qu'on met, euro, dollar, tout ce que vous voulez. C'est juste que si on a la capacité, sans que j'ai la moindre possibilité d'action là-dessus, de me retirer de l'argent parce que il y a un drone qui m'a filmé et qui m'a reconnu parce que maintenant on croise les fichiers, etc. Il a reconnu mon identité parce que j'ai jeté un papier par terre, etc. J'aurais plus aucune marge de manœuvre. Et quelque part, c'est ce qu'ils ambitionnent. Ça sera de la rétorsion numérique, François. Ça sera de la rétorsion numérique. Voilà. Et ça, c'est le piège. Et ça, c'est très dangereux, effectivement. Et là, on peut parler d'une forme de verrouillage final. Et on le voit notamment, alors si on veut rattacher ça à l'actualité, on le voit vraiment avec les CBDC. Avec la monnaie numérique émise par les banques centrales. J'allais vous en parler, justement. Ben oui. Ce type de monnaie permet des choses qui sont totalement nouvelles et qui ne sont pas permises par les technologies qui sont actuellement mises en place. Et ça va jusqu'à contrôler ce que vous pouvez émettre, ce que vous pouvez acheter. Donc, ça veut dire que… Je me permets, mais on pourrait même aller jusqu'à une monnaie périssable, comme c'est le cas en Chine. Vous avez une monnaie que vous avez attribuée, elle est périssable. C'est-à-dire que 6 mois après, si vous ne l'avez pas dépensée, eh ben, ça disparaît de votre compte. Là-dessus, on avait averti, on en a parlé, pas que moi, mais mieux Olivier Delamarche, Charles Gave et d'autres en ont parlé. Nous, on a relayé et on nous a traités de tous les noms. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que du côté de la BCE et l'Union européenne, vous avez raison de l'en parler, c'est plus qu'un projet. C'est une mise en œuvre qui est en train de s'étaler dans le tas avec un calendrier très précis. Oui, au-delà de ça, parce que là, on est sur des considérations matérielles qui vont interférer sur notre confort de vie et sur notre niveau de vie.
Mais au-delà de ça, c'est réellement notre libre arbitre en fait qui est en jeu là-dedans. Le jour où on pourra plus disposer de ce qu'on souhaite, parce que pour l'instant le système économique il est fait de cette façon, c'est-à-dire que je dispose d'argent, l'argent est un intermédiaire des échanges, et quand je l'ai, j'ai la liberté de m'acheter ce que je veux. Mais ça va plus exister. Et c'est l'atteinte à cette liberté, et c'est l'atteinte finalement à notre libre arbitre, parce que là, on va nous dire non, tu n'achètes pas ça. Tu n'achètes pas ça, tu achètes ça. Et ça, les narratifs qu'on est en train de mettre en place, c'est ce à quoi ils concourent actuellement. Si on prend le climat, rien ne nous dit que demain, on ne créera pas des systèmes où l'empreinte carbone de ce qu'on achète est comptabilisée dans nos achats, et donc limite nos achats d'une certaine façon ou réoriente nos achats Ben parce regardez, qu'il faut les réorienter dans ce sens-là. regardez Jean Covici qui avait dit sur France Inter il y a quelques semaines de ça, finalement, il faudrait estimer que les jeunes peuvent prendre l'avion 2 ou 3 fois dans leur jeunesse, et puis les autres, ben, ils resteront chez eux et ils peuvent aller en train en Mongolie, quoi, pour ceux qui auront de l'argent d'aller en Mongolie, traverser tout le continent. Donc il y a cette idée quand même chez certains de minimiser les déplacements pour décarboner finalement la société Oui, ce qui en d'ailleurs est proposant des totalement, quotas. c'est totalement absurde comme argument, puisque ça prend pas en compte les spécificités économiques et sociales des différentes catégories de personnes. Et moi, personnellement, j'étais pas un jeune qui avait les moyens de prendre l'avion, donc la question se pose même pas. Et donc ces gens-là, ils nagent dans un délire absolu, ils théorisent tout, et qui plus est, je connais des personnes particulièrement formées, Centrale Paris, qui pourraient, par exemple, m'en démontrer le contraire quant à l'incidence du CO2 sur les modifications actuelles du climat. Voilà, Mais donc après, il faut voir aussi on vous dira, François, que Monsieur tous Jean-Covici les aussi a climats. quelques conflits d'intérêts, je crois. Et alors ça, c'est à voir, mais je veux dire, les climats, aujourd'hui, on vous dira que la science est d'accord, ou les climatologues sont d'accord. Le problème, c'est que les climatologues qui sont pas d'accord, on les entend nulle part. Donc c'est un peu le problème, c'est comme avec le Covid, hein, c'est toujours pareil. Il y a ceux qui étaient, la science est d'accord, mais en fait, on n'a pas entendu, ou on a véritablement mis au banc les gens qui étaient pas d'accord. Donc effectivement, On c'est quand même en des vient questions. à la prééminence du rôle de la télévision, qui pour la plupart reste le média principal en matière de communication. Et effectivement, le fait de maîtriser les outils médiatiques, quels qu'ils soient, c'est aussi le fait de maîtriser à qui on donne la parole ou à qui on ne la donne pas. Et tout notre système actuellement repose là-dessus. Et là, c'est pas être complotiste que de dire ça, puisqu'il suffit de remonter les organigrammes de qui finance quelle chaîne, et on voit très bien que ce sont pas des gens qui œuvrent pour les intérêts du peuple. Ça, c'est une évidence. Et c'est peut-être aussi bien, parce que moi je trouve, et là je voulais qu'on revienne sur la dernière partie de l'émission, finalement aussi, c'est que vous parlez de dressage de la population, on en a parlé en introduction, le Covid qui a été assez comme un modèle d'ingénierie sociale sans précédent, mais on doit dire tout de même, je ne vais pas revenir à mes gilets jaunes d'ailleurs que je salue, il y a eu quand même une première émergence, il y a eu un embryon avec les gilets jaunes de révolte sociale qui, à mon avis, est un cauchemar pour l'oligarchie. Les gens comme ça, le retour du peuple, c'est un véritable cauchemar. Et on se rend compte d'ailleurs sur nos émissions à nous, nos médias, que ce soit Pouch, que ce soit Rémi Justemilieu, que ce soit Alexis Poulain, j'en oublie plein d'autres, Sarkaristote Aristote et d'autres. On a quand même beaucoup de gens qui nous regardent. Donc il y a quand même manifestement une partie de la population aujourd'hui qui a ouvert les yeux et qui a besoin d'entendre autre chose. D'ailleurs, le sondage est sans précédent, puisque plus de 90% des gens qui ont répondu ce soir n'ont été à la télévision. Donc est-ce que ça ne veut pas dire, François aussi, qu'il y a de l'espoir à avoir dans une capacité des gens aussi à se réveiller et à se mobiliser et à essayer de comprendre et se donner un autre point de vue sur ces questions qui sont extrêmement importantes pour nous, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques et climatiques aussi. C'est intéressant, ça doit donner de l'espoir quand même, non? Alors évidemment qu'il y a de l'espoir, et s'il n'y avait pas d'espoir, vous comme moi, on ne serait pas là ce soir. Exactement. On serait déjà pendus. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, il y a de l'espoir, et on œuvre à ça, et plus on sera nombreux à œuvrer à ça de façon intelligente, et plus ça fonctionnera. Néanmoins, le fait est, c'est qu'on voudrait que ça aille vite, ça prendra du temps. On ne bouge pas des masses colossales en quelques jours, c'est pas possible. Mais l'éveil des consciences est vraiment indispensable.
Et c'est pour ça que je travaille à vraiment expliquer les choses dans le fond plutôt que de les énumérer en surface et de dire ça va pas. Parce que c'est comme ça, je pense, que les gens vont vraiment se réveiller. Après, en ce qui concerne les mouvements sociaux, c'est pas tant le mouvement social qui fait peur au gouvernement. Le mouvement social dans les banlieues n'effraie pas plus le gouvernement que ça. En revanche, le mouvement social, si on prend par exemple les bonnets rouges d'abord et puis les gilets jaunes ensuite, a effrayé. D'ailleurs, les bonnets rouges ont obtenu gain de cause puisque Oui, sur les c'était sur portiques, la hein, c'était les taxation des portiques, automobiles. c'était sur les Oui, les portiques. portiques qui taxaient les poids lourds, je crois. Ouais. Et ce qui fait qu'un mouvement a un tel succès, c'est son caractère spontané et Oui, son et incontrôlable. Et et incontrôlable. le côté, on va dire, vraiment hétéroclite. Oui. Si ça touche une bulle, comme on a cité tout à l'heure, c'est pas grave, c'est gérable. Et au contraire, j'irais jusqu'à dire que les événements qui ont lieu dans les quartiers participent à chaque fois à leur façon à un renforcement de l'arsenal juridique. Eh oui. On le voit avec les affaires Naël, avec ce qui se passe avec le jeune, c'est Eddy, je crois. Oui. On voit ce type d'affaires à chaque fois récupérées par les médias et mises en avant dans un jeu politique avec des histoires de cagnottes et tout ça. Et ça participe à la fragmentation, tout ça. Et ça participe surtout à mettre en avant la possibilité de nouvelles lois, de changements, etc., qui souvent sont en la faveur de l'autoritarisme. Oui, et Donc ça, d'ailleurs, c'est je me pas un problème. permets, François, je me permets, vous avez suivi ça, j'en suis convaincu. Enfin, on n'a jamais eu autant un renforcement des mesures et de l'arsenal policier avec les gilets jaunes, avec les nouveaux blindés, les Centaures. On a eu les Bravem, on a eu la CSR8. Là, je veux dire, à un moment donné, les gilets jaunes, là, pour le coup, je partage votre analyse, ils ont très peur puisque ces gens-là sortent des radars des territoriaux, du renseignement territorial. Donc, ça peut partir un peu n'importe où. Et on s'est rendu compte que sur les 5 dernières années, l'arsenal LBD, Grenal, GLFI, machin, on a dépensé des millions d'euros là-dedans. Donc, on voit bien qu'ils ont peur quand même de cette poussée de fièvre populaire incontrôlable. Oui, inévitablement, ça manifeste une crainte du gouvernement. Et de toute façon, la police s'équipe et se finance en fonction des besoins de la gouvernance et aussi de la population. Si on prend un policier japonais, il n'est pas équipé comme un policier français. Et donc là, on est dans un rapport différent. Et là, on a un rapport à la population, effectivement, qui a changé, puisque très clairement, on a un gouvernement, et ça c'est dingue, hein, qui continue quand même à créer l'illusion qu'il œuvre pour le peuple, mais enfin, qui a une grande majorité du peuple contre lui. Là, c'est incroyable ce qui se passe en termes de légitimité. Donc, à un moment donné, on le voit là, enfin, c'est bête comme exemple, mais si on prend un exemple populaire, on voit à l'inauguration de la Coupe du Monde de rugby, comment a été reçu le président. On peut pas dire qu'il soit apprécié. Celui qui me dit ça, il est hors sol. Je pense que les conseillers d'Élysée du château, comme on appelle le château, on lui a dit, vas-y, t'inquiète pas, c'est un public de rugby, les mecs ont peu de pognon, ils ont payé 100 ou 150 balles à la place, ils vont pas gueuler, ils sont là pour venir voir un match, et ils vont pas te huer, et le gars vient et se fait siffler comme jamais il s'est fait siffler. Et ça n'a pas été qu'au Stade de France, ça a été pas mal, dans pas mal de fan zones en France aussi, il faut le noter, hein, c'est important de le dire aussi. Oui, alors qu'au contraire, j'aurais envie de dire que la sociologie des personnes qui s'intéressent au rugby, c'est plutôt des personnes qui sont rattachées au terroir, aux traditions, et à des choses qui finalement sont complètement antagonistes avec le programme d'Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron, c'est la Startup Nation, c'est l'ouverture des frontières, et on est dans le délire d'Avosien. Donc ça n'a rien à voir. Et effectivement, alors là, et d'ailleurs, si on lui a effectivement conseillé ça, c'est que ses conseillers sont complètement à côté de la plaque. Parce que là, j'ai envie de dire, normalement, en bonne intelligence, c'était totalement prévisible. On est vraiment dans le milieu le plus propice pour qu'il arrive une telle chose. Là, c'était évident. Et ça s'est passé.
Je voudrais qu'on finisse parce qu'on est déjà à plus d'une heure d'émission. Et merci François d'être là ce soir. Merci beaucoup. Je rappelle bien entendu votre pédigré essayiste, auteur d'Alice au pays de Lucifer, publié chez K Éditions. Vous avez la couverture. Je vous mettrai les références en bas de la vidéo pour YouTube. Vous êtes ancien gradé de la gendarmerie nationale et instructeur aussi en gendarmerie. Et vous êtes un franc-tireur. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là ce soir. Je voudrais qu'on aborde deux dernières questions avant de terminer cette émission. Je voudrais qu'on aborde, vous avez parlé d'un mot extrêmement important, de la légitimité. Alors aujourd'hui, constitutionnellement, on ne peut pas dire que Macron n'est pas légitime, mais dans l'esprit des lois et l'esprit de la Constitution, la question commence à sérieusement se poser de la légitimité d'Emmanuel Macron, mais plus largement de la classe politique, quand on voit le rôle absolument anodin, j'ai envie de dire, discret, très discret de l'Assemblée nationale et de notre démocratie parlementaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'Emmanuel Macron est légitime au vu du regard de la brutalité de passer un 49-3 sans se référer au référendum, sans avoir pris conscience qu'il a été élu par très peu de gens aux dernières élections et qui, en plus, il a pris une grosse roustasse aux élections législatives. L'esprit des lois et l'esprit de la Constitution, c'est pas trop son truc, Macron, apparemment. Bah, je peux répondre très rapidement à cette question. Quand on n'est plus en capacité, quand on n'est plus en capacité de gouverner démocratiquement, c'est qu'on n'est plus légitime. Ouais. Tout simplement. Ouais. S'il a passé, je crois qu'il y a eu 11 utilisations successives du 49-3, je dis ça comme ça de mémoire, mais quand on en est là, c'est qu'on a un problème de légitimité. La question ne se pose même pas. Ensuite, on peut remettre en question aussi le système électoral et le jeu permanent de confrontation au FN. Et là encore, on retrouve une politique de fragmentation dans le jeu électoral, puisque on fragmente énormément de façon à disséminer les voix. Et quand on fait le total des voix d'Emmanuel Macron et qu'on regarde avec combien de voix il est passé, finalement, c'est très faible. Puisqu'on rien que le corps électoral français est déjà beaucoup plus faible que la population, puisque c'est un peu plus de 40 millions d'électeurs pour 70 millions d'habitants. Ouais. Et parmi ces 40 millions d'électeurs, in fine, il y en a très peu qui ont voté pour lui. Donc, on se retrouve en valeur absolue par rapport, rapporté au nombre d'habitants, avec très peu de personnes qui ont voté pour lui. Et ça, c'est le système qui fonctionne comme ça. Donc, d'entrée de jeu, ça s'annonçait mal. Mais de toute façon, la France, en l'état, pour lui, elle est très difficilement gouvernable. Sans employer de stratégie politicienne ou autre, ça va être très, très compliqué. Et on l'a vu avec l'utilisation du 49-3. Ouais, et il va continuer, puisque vous savez qu'il y a un projet de loi de finances qui va tomber en octobre. Et là aussi, le 49-3 est en train d'être rédigé, notamment dans les couloirs opaques de Bercy. Donc, vous aurez un 49-3 avec des coupes drastiques, notamment dans le budget de l'État, et avec une destruction totale des services publics. Et qu'on sort, dernière question, cher François, je sais qu'elle est difficile, mais je suis convaincu que vous pouvez répondre avec brio en très peu de temps, même si elle mériterait une émission entière. Est-ce que, selon vous, nous sommes encore dans une démocratie dans ce pays ou pas ? Non. Non, puisque, et c'est ce que démontre mon livre à une échelle supérieure, on vit dans un système qui est construit de façon à créer des illusions et dont l'une des premières est notre illusion de liberté. Mmh. Et ce qui est visé, c'est là on est sur un projet qui a une dimension réellement supérieure, donc on parle pas de politique intérieure, c'est quelque chose qui va au-delà de ça. Ce qui est visé, c'est carrément la nature de l'homme, sa désincarnation, c'est-à-dire l'homme de l'être celui qui était l'homme de l'être auparavant, qui va devenir l'homme de l'avoir, qui se définit comme étant l'homme du paraître, en fait. Donc on est vraiment dans la représentativité, et de fait on est dans un monde du tout s'achète, où même l'homme s'achète. Et ça nous conduit vers la réification, l'homme-objet et le transhumanisme. C'est ce qui est mis en avant, in fine, par des gens comme Harari, qui sont les grands gourous des Klaus Schwab et compagnie, qu'on retrouve à Davos. Donc, la démocratie n'existe pas puisqu'on vit dans un but d'asservissement numérique, in fine. Donc, si on est déjà en train d'œuvrer et de travailler dans ce sens-là, et c'est ce que je démontre tout le temps à travers mes articles et à travers mon livre, de toute évidence, on n'est pas là pour travailler dans le sens de la démocratie et des libertés. Et d'ailleurs, quand on regarde les droits auxquels on porte atteinte à l'heure actuelle, ce sont essentiellement les droits naturels fondamentaux, c'est-à-dire le droit à la liberté de mouvement, le droit à la vie privée, le droit à la sûreté,
le droit à la résistance à l'oppression qui fait partie de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, le droit de la santé, tous ces droits naturels, on est en train de les détruire parce que justement, on veut faire place à une société qui fait fi de l'état naturel des choses pour pouvoir imprimer sa propre idéologie. Oui, finalement, vous, Davos, concrètement, Davos, l'Union européenne, les marchés financiers, d'ailleurs les marchés financiers, ce n'est pas un secret, hein, Emmanuel Macron a avoué que la réforme des retraites était faite aussi pour faire plaisir aux marchés financiers. Il l'a dit d'ailleurs quelques heures avant le 49-3 de Isabelle Borne, que j'appelle Mamie Vapote. Et d'ailleurs, je voudrais vous faire réagir là-dessus. Guillaume Bigot sur CNews disait que l'avion France est piloté par Bruxelles et par les juges. Le gouvernement, les élus français ne sont que des hôtesses de l'air. Oui, bien sûr. Ben on peut le constater dans notre vie au quotidien. Et on voit que la plupart des décisions à l'heure actuelle qui impactent nos vies à nous, de petites gens, émanent de l'Europe. Et donc, émanent d'une technostructure avec des gens pour lesquels on n'a pas voté. Qui sait à l'heure actuelle comment est composé le Parlement européen, Et à qui quoi il connaît un sert? peu Et à son quoi il sert? fonctionnement? À quoi il sert son fonctionnement administratif? D'ailleurs, ça c'est intéressant de se plonger là-dedans. Personne ne le sait. Et par contre, on exécute les décisions. Ça c'est du concret qui émane de ça. Et quand on observe ces décisions-là, bien sûr, elles sont en phase avec les grands projets, les grandes narrations, que ce soit la narration sanitaire, crise Covid, que ce soit les narrations liées à l'environnement qui sont là, qui ont des impacts hein, sur nous hein, directement en matière de propriété, d'accession à la propriété, le fait de privilégier l'habitat collectif, tout ça va impacter les gens. Le fait de devoir acheter des voitures électriques qui sont hors de prix, qu'on va devoir acheter à crédit, on va plus rien pouvoir posséder, on va tout louer bientôt. On loue les batteries, on loue. Voilà. Tout est fait. Toutes ces décisions-là, elles émanent pas du peuple français. Ah non, non, Donc mais de on toute peut façon, pas je parler rappelle de... qu'on a voté non, on a voté non en 2005, hein, je rappelle ça au traité constitutionnel qui a eu après été le traité de Lisbonne passé en loose day pour parler comme les jeunes. Et on voit que c'est passé en force. Voilà, c'est passé en force au Congrès de Versailles en janvier 2008. Donc voilà. Donc Et il a dire que pris le même peuple est des souverain à l'heure actuelle, c'est une folie. Et Nicolas Sarkozy vient nous faire maintenant des leçons de démocratie et il roule à fond pour Emmanuel Macron. D'ailleurs, il l'a dit lors de dédicaces récentes du week-end dernier. Mais on arrive à la fin de l'entretien, François Dubois. On aurait pu encore rester 1 heure et demie, mais ce sera l'occasion que vous reveniez. Et Bah avec d'ailleurs, plaisir. on va se revoir, bien entendu. Je vous inviterai aussi dans la matinale Tocsin. On va mettre ça en place avec Michel Geoffroy. Je pense que ça va être passionnant parce que là, il y en a vraiment de quoi discuter. Alors, je vous représente, bien entendu, pour ceux, qui sont arrivés en fin d'émission. Vous êtes essayiste, auteur d'Alice au pays de Lucifer, publié chez K Éditions, ancien gradé de la gendarmerie nationale et instructeur également en gendarmerie. Et vous êtes cette franc-tireur qui est intéressant parce que vous nous ouvrez les yeux et vous nous proposez une grille de lecture qui est passionnante. Donc, je vous invite, chers amis, à vous procurer. On peut se le procurer où, votre livre, François? Alors, vous pouvez, bah, il est dispo sur Cultura, Fnac, Amazon, sur le site K Édition aussi. Sur D'accord. le site K Édition. K'A édition plus loin au singulier. On vous mettra les références. N'hésitez pas, Il vous avez la suffit de rentrer le titre sur Internet et il apparaît de toute façon. Voilà. Donc n'hésitez pas à l'acheter si vous pouvez, parce que je sais que les temps sont très très durs en ce moment, je le sais. N'hésitez pas si vous pouvez aussi à nous aider. Merci à ceux qui nous ont fait des dons pendant l'émission sur Tipeee. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à Pouch.media, parce que vraiment, on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Ça devient de plus en plus compliqué si vous voulez qu'on continue à faire des émissions. Et donc de ce soir, demain soir, on refera une émission. Je ne vous donne pas le nom parce que j'ai encore l'invité, mais on prendra un sujet très, 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 très explosif demain soir aussi à 18h. Voilà. Mais vous suivez sur les réseaux, vous suivez sur Twitter, vous suivez sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch. On vous mettra tout ça demain matin dès que l'émission sera calée. François, moi, je vous remercie d'être venu passer par nos studios, bien Ben entendu. merci à vous. Ben merci beaucoup, merci de pouvoir nous proposer une grille de lecture. On se revoit très vite. Et nous, les amis, c'est demain soir à 18h. D'ici là, c'est sur Pouch.media et sur les réseaux sociaux. On a un compte Telegram aussi, on est sur Instagram, TikTok. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de manière, on ne sait jamais.
si on se faisait encore censurer. Moi, d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain soir et direct sur Push.media. Bye bye, vive la démocratie. Salut, ciao, bonne soirée à tous. Merci.